Vous dites à la fin de votre préface, de manière très ironique, ce livre économise aux citoyens français le coût et la durée d'une enquête parlementaire sur les mosquées radicales. Donc effectivement, en l'espace de, mes auditeurs, en l'espace de 300 et quelques pages, vous saurez à peu près tout sur les mosquées radicales, ce qu'on y lit et ce qu'on y dit. Votre enquête sur ces maires qui courtisent l'islamisme a montré au grand jour la complaisance, peut-être direz-vous complicité, de nombreux édiles de tous bords, républicains, PS, PC, Front de Gauche, centristes, avec l'islam dit radical. Et bien dans ce dernier livre, Les mosquées radicales, vous allez plus loin en montrant que malgré les déclarations rassurantes du gouvernement et les effets d'annonce, de nombreuses mosquées continuent au grand jour à diffuser l'idéologie du djihad. Pouvez-vous, Joachim Elieucan, nous préciser l'ampleur du phénomène chiffré ? Alors, en termes de chiffres, il y a 2600 mosquées en France avec différentes tendances, soit affiliées à des pays étrangers, comme la Grande Mosquée de Paris, qui n'est pas, son nom est assez trompeur, seulement la mosquée du 5e arrondissement, mais une fédération de 700 mosquées qui est dirigée par l'Algérie. Et il y a aussi les Marocains, avec le Rassemblement des musulmans de France, le RMF, qui dispose aussi d'une fédération de plusieurs centaines de mosquées, dont des mosquées radicales, hein, je l'ai prouvé dans mon livre, alors qu'on nous présente le Maroc comme étant le pourvoyeur d'un islam dit du juste milieu, mais cette expression qui sonne bien aux oreilles des Occidentaux est assez trompeuse. Il y a le mouvement Tablighi dont on ne parle pas beaucoup parce que les médias sont vraiment focalisés sur le salafisme wahhabite saoudien, mais le Tablighi qui est d'origine indo-pakistanaise est très bien implanté en France. Ils ont plus de 140 mosquées, c'est le dernier pointage de l'intérieur à l'été dernier, et avec des cadres de cette organisation qui est très hiérarchisée, très pyramidale, les cadres doivent faire des stages obligatoires au Pakistan qui n'est pas connu pour être un pays où on enseigne un islam sympathique, et il serait au nombre de 40 000 militants. Après, on a le salafisme vraiment saoudien classique, qui d'ailleurs peut condamner l'État islamique hein, et Al-Qaïda, parce qu'évidemment, les savants saoudiens rémunérés par le royaume n'ont pas du tout intérêt à faire la promotion de ceux qui veulent renverser le régime qui les paye. Et ceux-là, ils sont au nombre de... alors les estimations, c'est à peu près 50 000 militants, vraiment, c'est les pratiquants hein, qui fréquentent, mais après, il y a tous les sympathisants autour. Et ils contrôlent 120 mosquées en France, et ils sont en passe de déstabiliser 30 mosquées, d'après ce que dit les notes de l'intérieur. Et... alors, il y a eu certes quelques mosquées fermées, mais c'est vraiment dérisoire. Il y en a une petite vingtaine là en un an. Combien de mosquées dites radicalisées ? Alors, il faut additionner les mosquées Tablighi, qui sont au nombre de 140, au chiffre des salafistes wahhabites, qui est au nombre de 120. Ensuite, il faut additionner les frères musulmans, qui contrôlent 200 mosquées à peu près, incarné par l'UIF. Ensuite, il faut ajouter à cela les Turcs, qui contrôlent plus d'une grosse centaine de mosquées. Le Miligorus. Et les Turcs, en fait, avant, il y avait le bras officiel du ministère des Affaires islamiques, qui, depuis la prise de pouvoir par les islamistes durs du président Recep Erdogan, eh bien, ont infléchi la ligne de cette fédération, qui maintenant se rapproche des positions du Miligorus, la vieille organisation islamiste fondée par Nesmettin Erbakan, qui a le même projet que les frères musulmans, rétablissement du califat, prise du pouvoir politique. Et dans les documents internes qui sont distribués à leurs militants, on les a parce qu'il y a un sociologue turc qui a fait un super travail, il s'appelle Mustafa Pekoz, il est même édité en français chez l'Harmattan, et il précise bien que dans les bulletins internes du Miligorus, qui veut dire Vision Nationale en Turquie, chaque militant est considéré comme un soldat du djihad. Voilà, c'est vraiment très clair. Et cette organisation est très implantée en Allemagne, et dans l'est de la France, et de même à Châteaudun, et là ils vont ouvrir une grande mosquée à Vénissieux. Dans la région lyonnaise, ils sont très bien implantés. Ils sont au Conseil français du culte musulman, ces gens-là. Hein, très officiellement. Très officiellement, oui, oui. Et ils ont très bon rapport avec l'UIF, parce qu'ils partagent la même idéologie frériste.
Et donc l'UOIF est aussi au Conseil français du culte musulman. Bon, en fait, dans l'instance de dialogue qui se rend plusieurs fois par an au ministère de l'Intérieur, il y a les membres de l'UOIF qui viennent, et d'ailleurs ils se prennent en selfie, en photo, au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve, comme Amar Lasfar, qui dirige le lycée Avicenne, qui a défrayé la chronique dans les médias parce qu'un ancien professeur a dénoncé la radicalité de cette école. De philosophie. Oui, il y a même un professeur de mathématiques dont on peut voir les vidéos qui défend le Hamas, etc. Donc bon, tout ce petit monde est vraiment intégré dans le pseudo-conseil français. Il est vraiment un conseil qui n'a rien de français, hein, du culte musulman. Un précédent président du conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, était marocain, donc ça faisait un petit peu... tâche pour présider un conseil français, donc ils l'ont naturalisé français. Ah, oui, et plus généralement, les responsables de l'UOIF ont eu la naturalisation française, une sorte de deal avec l'Intérieur en disant bon, vous essayez de calmer un petit peu les cités, vous allez avoir votre nationalité française. Donc Tarek Oubrou, hein, qui a eu la Légion d'honneur par Alain Juppé, oui, qui il n'y a pas si longtemps défendait la restauration du califat politique, hein, il disait que tous les musulmans devaient restaurer ce califat parce que Mahomet était un chef d'État. Eh bien, lui, il a eu la nationalité française. Voilà. Et donc, si on fait la somme de toutes ces mosquées que vous qualifiez de radicales, on aboutit à quel chiffre, grosso modo? Alors, si vous voulez, j'ai utilisé une commodité de langage en reprenant une expression à la mode. Il fallait bien trouver un titre à l'ouvrage. Radical, en fait, il s'agit juste de retourner aux racines, aux origines radix, de l'islam. Radix, en latin, c'est la racine. Exactement. Il n'y a rien d'extrémiste, d'ailleurs, dans ce mot de radical. On revient aux sources. Voilà, c'est ça. C'est l'islam orthodoxe sunnite classique. L'islam des origines. Voilà. Alors, après, évidemment, l'islam, on ne va pas faire toute une émission pour revenir à ce qu'est l'islam, et c'est aussi une loi, c'est un code juridique. La plupart des traités de droit musulman forment la plupart de la littérature musulmane, et il y a une incompatibilité entre notre système de droit romain et leur doctrine. Et je pourrais citer plusieurs imams du Conseil français du culte musulman, et ils ne s'en cachent pas, ils disent juste il nous manque un gouverneur musulman pour faire appliquer les lois. Mais évidemment, le Coran dit qu'il faut flageller les couples qui ont des relations adultères, et la Sunna vient préciser qu'il faut les tuer. Donc là, c'est Amin Nedji, président du Conseil régional du culte musulman Lorraine, qui est vraiment... dans les oulémas officiels du Maroc. Hein. Il a été nommé au comité des théologiens marocains. Et cette personne dit clairement que personne ne peut, un musulman ne peut nier cela parce que ça fait partie de la sunna, sinon il n'est plus sunna, musulman. La tradition. La tradition, voilà, les propos de Mahomet. Ouais, donc ça. Il dit clairement, évidemment, c'est la lapidation, hein, pour les couples qui ont des rapports en mariage, mais on n'a pas de gouverneur musulman, donc on ne peut pas l'appliquer. Et il dit pareil pour le djihad. Il dit le djihad est un acte d'adoration qui est très bon, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de gouverneur musulman. Donc c'est une des conférences que je retranscris qui donnait sur la jurisprudence musulmane. Lui est marocain. Et il dirige la mosquée de Nancy à Tomblaine, une grande mosquée. Et c'est le responsable local du CFCM. Voilà, mais tout ça, c'est vraiment c'est assez inquiétant. Hein. Les services de l'intérieur est parfaitement au courant de tout ça. Mais donc, si vous voulez. Vous parlez dans la quatrième de couverture, vous parlez de 150, grosso modo, 150 mosquées radicalisées. Oui, ça, c'est surtout les salafistes. C'est surtout les salafistes. Mais il faut élargir le spectre. Bien sûr. Bien sûr. Donc, vous passez au peigne fin dans votre livre, à peu près 25 mosquées. Évidemment, vous n'avez pas... sinon, ça aurait été une véritable encyclopédie. Donc, vous passez sur le fil de votre analyse 25 mosquées, parmi les plus grandes, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout des mosquées tout à fait marginales, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez également voir du côté de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne et de la Belgique. Donc, vous ouvrez votre analyse à des mosquées... sur le territoire européen. Joachim Villoca, quel est le mode d'analyse que vous avez employé pour mener cette enquête? Alors, pour faire une analyse vraiment détaillée, exhaustive, c'est
vraiment, il faudra avoir les moyens de l'intérieur pour faire cela. C'est pas possible. Alors, Voir les moyens de nos députés vouloir lancer un petit appel du pied. Faites donc votre boulot. Ouais, ils le font à l'intérieur. Hein, les... Mais il n'y a pas de publication pour l'instant. Non, ce sont des notes confidentielles de l'intérieur, mais ça existe de manière assez. Une analyse assez large. Moi, à mon niveau, ce que j'ai pu faire, c'est en fait, j'ai sélectionné des mosquées de chaque courant, de chaque fédération du Conseil français du culte musulman. J'en ai analysé donc plusieurs. Frères musulmans, voilà. Ligo russe, tabliques. Les marocains et les tabliguis. Et donc, à partir de cela, on peut tirer la conclusion sans prendre de grands risques. Que quand l'imam d'une fédération qui est reconnue, qui dirige une grande mosquée de cette fédération, on peut dire qu'ils sont quand même sur la même longueur d'onde entre membres d'une même fédération. Voilà. Donc, il y a même des mosquées qui pourtant avaient toute l'apparence de belles mosquées républicaines, inaugurées de manière pompeuse par des préfets. Je pense à la mosquée de Créteil, qui pourtant n'est pas affiliée à un courant réputé dur de l'islam, qui avait été inaugurée par l'évêque, à l'époque c'était Monseigneur Labille, qui avait inauguré directement, j'imagine. Oui, qui était présent à l'inauguration, voilà, et qui avait fait un discours quand même en disant qu'il se félicitait de cette grande mosquée de Créteil parce que ça allait contribuer à l'intégration des musulmans en France. Mmh. Voilà. Moi, je suis allé à la mosquée de Créteil, ils ont librairie au rez-de-chaussée, et les premiers livres que j'ai vus vraiment en tête de gondole, en plusieurs exemplaires, ce sont les mosquées de Abou Bakr al-Jazairi, La Voix du Musulman, qui prescrit un djihad offensif pour conquérir la planète, qui dit clairement qu'il faut interdire la construction des églises en terre d'islam, qu'il faut tuer l'apostat. Ces livres-là, ils savent très bien leur contenu. Hein. Le vendeur de la librairie est un étudiant en religion musulmane. Ils sont parfaitement au courant de ce qu'il y a dans leur librairie, de l'idéologie qu'ils diffusent. Et voilà, ce sont les plus grandes mosquées de France. Je suis aussi à Reims. Alors à Reims, c'est l'UIF. Donc là, il y avait moins de surprises hein, du contenu radical des livres que j'ai pu trouver. Il y avait tous les livres de Youssef El-Kardawi, là, pour penseur des frères musulmans qui soutient le Hamas, etc. Et c'est vraiment une grande mosquée. Hein. Même le maire actuel républicain, Arnaud Robinet, député maire, avait visité le chantier. Il se pavanait, c'était dans mon dernier livre, « Ces maires qui courtisent l'islamisme ». Il était fier de se montrer avec son petit casque de chantier en disant « Oui, on soutient la mosquée ». Je pense à... C'était Madame Grosscott qui avait fait la campagne des municipales dans une mosquée turque aussi dans l'est de la France avec un voile sur la tête. Bien sûr. Donc les républicains et je voudrais vraiment souligner l'énorme hiatus qu'il y a entre le discours des républicains et ce qu'ils font au niveau local. Les maires républicains autant que les maires socialistes. Mettre le pied à l'étrier aux islamistes en mettant en disposition, mais complètement en mettant en disposition des terrains municipaux pour même des mosquées radicales. À Nîmes, c'est carrément un ancien temple protestant qui était cédé par la mairie. À Cannes, la mosquée de Cannes-la-Bocca, c'est un Saoudien qui l'a financé, qui l'a dirigé. À l'inauguration, il y avait même le drapeau de l'Arabie Saoudite. Ça a été inauguré par Monsieur Brochant, qui était l'ancien maire de Cannes. Et David Lisnard, l'actuel maire de Cannes républicain, disait même que oui, évidemment, ils sont arrangés avec la loi de 1905, etc. Donc si je vous dis la devise des frères musulmans, est-ce que ça regroupe, c'est quelque chose qui peut avoir l'assentiment de l'ensemble des musulmans, dits radicalisés ? Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. Ils se reconnaissent tous là-dedans ? Les frères musulmans, oui. Les frères musulmans, les salafistes, les... Non, les autres, non. Mais les frères musulmans, tout à fait. Et d'ailleurs, le directeur de l'UIF avait repris une partie de cette fameuse maxime du fondateur Hassan al-Banna des frères musulmans. Il avait juste cité la partie « Le Coran et notre constitution » en 2002, lorsque Nicolas Sarkozy était venu à leur congrès de l'UIF. En 2002, donc c'était une provocation en présence même du ministère de l'Intérieur, Sarkozy, qui a fait l'erreur énorme de plus que asseoir la représentativité, la régulariser.
organiser et faire entrer dans le Conseil français du culte musulman l'UIF. C'est très inquiétant. Ils réunissent près de 100 000 personnes à leur congrès qu'ils font chaque année à Pâques. Au Bourget, ils font venir des prédicateurs. J'ai été le seul à dénoncer. Après, évidemment, les médias avaient embrayé et il y avait eu 6 prédicateurs lors de leur congrès en 2012 qui avaient été interdits ces jours parce qu'ils avaient des propos vraiment djihadistes, etc. Et Joachim Veuillecca, rappelez-moi qui était le ministre le premier ministre à l'époque, s'il vous plaît. François Fillon. Ah oui. C'était François Fillon. Tiens, j'avais oublié. Donc, nous aurons l'occasion d'habiller un peu François Fillon pour l'hiver. D'accord ? Oui, il y a de quoi aussi parler du hiatus entre son dernier livre, Vaincre le totalitarisme islamiste, et son bilan en tant que Premier ministre. Joachim Veuillecca, vous dites que le succès du salafisme réside dans sa base arrière, l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pourriez développer ce point important ? Tout à fait. Financier, tout d'abord, parce que l'Arabie saoudite a pu financer des grandes mosquées. Les plus grandes d'Europe sont financées par l'Arabie saoudite. Je pense à la grande mosquée de Bruxelles, où j'ai interviewé, il y a 2 semaines, une femme qui assistait au cours de la grande mosquée de Bruxelles. Et c'était absolument effrayant. On lui a dit que les petites filles, on pouvait déjà, même avant leurs règles, avoir des rapports sexuels avec elles. Ça s'appelle la moufakana, c'est-à-dire pour les adultes, de frotter leur sexe contre le leur. Voilà, ça, c'est la grande mosquée de Bruxelles, financée par l'Arabie saoudite, et qui envoie des livres pour qu'ensuite ils soient diffusés. Et en fait, cette grande mosquée de Bruxelles rémunère aussi une 50aine de mosquées dans toute la région bruxelloise. Et elle avait été inaugurée en grande pompe par les services de l'État. Et à Madrid, c'est pareil. Alors à Madrid, c'est étonnant parce que ça s'est passé quand même. On était en décembre 2014, un mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Il y a une perquisition de la police qui a mis à jour un réseau très structuré, une brigade qui envoyait des combattants en Syrie de cette mosquée de Madrid, qui c'est la plus grande de la ville, qui attire le plus de monde, parce que parfois ce sont les plus grandes, mais ce ne sont pas forcément les plus fréquentées, mais là c'était le cas. La brigade d'Al-Qaïda Al-Andalus, dont les fidèles allaient s'entraîner à côté d'Avila, donc c'est Avila, c'est à peu près à 150 km de Madrid, dans une ferme. La police a quand même dû fermer la cafétéria de la grande mosquée de Madrid, parce que c'est là où ils tenaient leur réunion et au vu au sud de tous. Et il y a une dizaine de djihadistes qui sont partis en Syrie. Voilà pour l'islam officiel. Donc le problème, en fait, si vous voulez, c'est que par ces moyens financiers énormes, l'Arabie saoudite, par la diffusion du wahhabisme, qui à la base n'est pas de la culture des immigrés d'origine maghrébine en France, est en train de prendre le leadership. Et en fait, c'est cet islam à la base sectaire du 19e siècle, qui est né juste dans les déserts d'Arabie saoudite. Eh bien, il est devenu l'islam maintenant mainstream. Je vais mettre une pièce dans le cochon, là, ça y est. Non, on va essayer de trouver un mot. Et c'est vraiment problématique. Et c'est Amadi Redissi l'a très bien dit, ce professeur d'université, spécialiste de l'islam politique tunisien, dans son livre Le Pacte de Nadj, que je recommande. Les livres d'Amadi Redissi sont vraiment à lire, édités au Seuil, pour faire un peu de pub. Il a vraiment mis en évidence le fait que maintenant le wahhabisme devienne l'islam majoritaire et normal de plus en plus de par le monde. Quel est le rôle du Qatar exactement ? Est-ce que c'est le Qatar et l'Arabie saoudite voguent dans le même sens ou il y a une légère différence ? Alors, ils sont un peu concurrents. Évidemment, au final, ils ont le même but, hein, instaurer la charia, avoir des États musulmans. Mais il y a une concurrence. Le Qatar, lui, pousse à fond les frères musulmans. Hein. C'est le Qatar qui avait poussé la révolution tunisienne, d'une part, avec le mouvement Ennahda, des frères musulmans. Et c'est aussi lui qui fait des dons via sa fondation de charité. Voilà, la fondation de charité du Qatar a financé en partie la mosquée UIF de Nantes,
en grande partie la mosquée de Mulhouse, qui va être une des plus grandes mosquées de France à Mulhouse. C'est intolérable que l'intérieur tolère l'existence même du début du chantier de cette mosquée, parce qu'il y a eu vraiment des prédicateurs aux propos indéfendables, donc je cite dans mon livre. Le Qatar a aussi financé via cette fondation en partie le lycée Averroès de Lille, qui est détenu par l'UIF et qui est reconnu par l'État. Hein. Donc la région, c'est étant une espèce de paravent assez modéré. Oui. On dit souvent que c'est il a été en but avec les imams de. Oui, ils reprennent, mais ils sont très forts pour reprendre le nom de philosophes musulmans pour se donner, pour rassurer. Quoique, quand on lit vraiment Averroès dans le texte, Averroès défendait le djihad contre les chrétiens. C'est pas totalement le modéré au sens tout où à nous fait. On l'entend. Mmh. Et du coup, ce lycée est reconnu par l'État, donc il obtient des financements de la région. Et même Xavier Bertrand s'était déplacé dans ce lycée pour signifier toute son amitié et pour dire qu'attention, il ne fallait pas faire d'amalgame après les attentats. Donc voilà encore un élu républicain qui a des sympathies envers l'UIF. Donc l'Arabie Saoudite, vous en avez parlé, ça renvoie, j'imagine, à l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, pacte du Quincy, le 14 février 1945, pour être précis, où les États-Unis se sont engagés à soutenir l'Arabie Saoudite, sachant que le royaume saoudien a été défini comme faisant partie des intérêts vitaux des États-Unis. Donc c'est quand même assez... assez important. Oui, c'est ça. Pacte qui s'est prolongé jusqu'en 2005, 60 ans, donc effectivement de 45 à 65. Et c'est George W. Bush qui l'a prorogé pour 60 ans de nouveau jusqu'en 2065. Donc effectivement, les États-Unis. Ce qui montre bien la duplicité de George Bush à l'époque. Les intérêts américains ne sont pas étrangers à ce qui se passe effectivement tout à fait dans l'islamisation. Oui, il y a une alliance claire. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le Libre Journal de l'Identité. J'ai reçu il y a 2 mois à ce même micro Alain Wagner, consultant à l'International Civil Liberties Alliance. Je ne mets pas de pièce puisque c'est le nom de cette association. Qui est venu nous parler du protocole de Barcelone. Alors, je vais pas faire trop de rappels sur le processus de Barcelone, mais amis auditeurs, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous tapez lesobservateurs.ch, en un seul mot, lesobservateurs.ch, avec un autre mot-clé, ISESCO, I-S-E-S-C-O. Et en cliquant ensuite sur 13 minutes pour comprendre pourquoi l'Europe se laisse envahir par l'islam, vous aurez l'intervention extrêmement brillante et convaincante d'Alain Wagner, à ce même micro, donc une intervention relativement courte de 13 minutes, qui vous explique effectivement que j'allais dire invasion, le terme est peut-être un peu trop politiquement incorrect, disons cette arrivée massive de l'islam sur nos terres françaises et européennes n'est en rien un hasard. Effectivement, c'est pas du tout c'est une stratégie parfaitement lucide et assumée de nos élites. Immigration de masse, pas d'assimilation, je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler, Joachim Veliuca, pas d'assimilation des populations immigrées, c'est-à-dire vraiment la constitution de communautés à part entière qui ne s'intègre pas, non seulement ne s'intègre pas, mais ne s'assimile pas à la communauté nationale. Apprentissage de l'arabe, non seulement pour les petits arabes, mais également tous azimuts, y compris pour les guillemets français de souche. Islamisation, construction de centres culturels, d'écoles islamiques, etc. Donc, amis auditeurs, je vous conseille d'aller entendre cette intervention très brève, de 13-14 minutes, et qui fixe les choses sur quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'entendre par ailleurs, ni sur les gros médias, ni sur les autres, c'est le protocole de Barcelone. Et il fallait être sur Radio Courtoisie. Et donc les acteurs, c'est l'ISESCO, c'est ça ? L'ISESCO, oui. Pour absolument. Préciser, c'est une institution qui fait intégrée à l'Union européenne. Oui, tout à fait. Absolument. Alors, pour préciser qu'on n'est pas en train de délirer. Ah non, voilà. Non, absolument pas. Ouais. C'est en effet quelque chose de tout à fait classique. C'est très sérieux. Oui, très sérieux, très officiel. L'ISESCO. Bien, donc, des accords signés en 1975 et dont nous sommes en train de payer les conséquences à l'heure actuelle.
Vous citez beaucoup de maires dans votre nouvel ouvrage. Je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a une ribambelle. Retenons quand même quelques noms. Brigitte Fourré, maire UDI d'Amiens. Jean-Marie Bockel, ancien maire de Mulhouse. Jean Rotner, maire LR actuel. Dominique Lefebvre, maire PS de Cergy. Philippe Sautel, maire PS de Montpellier. Georges Fenech, député LR du Rhône. Martial Passy, maire PS de Givors, etc. etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc, excusez-moi. Donc, encore une fois, vous mettez effectivement le système face à ses responsabilités par rapport à cette islamisation. Tout à fait, parce que à chaque construction de mosquée, si vous voulez, ce sont quand même des bâtiments assez conséquents, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Et s'il n'y avait pas ce coup de pouce à chaque fois des municipalités pour mettre le terrain à disposition, pour signer les permis de construire, alors certes, il y a un loyer pour les terrains, mais qui est souvent dérisoire. Par rapport au marché. D'ailleurs, la mairie républicaine de Montauban vient de se faire condamner par le tribunal administratif de Toulouse il n'y a pas plus tard que la semaine dernière parce qu'ils ont échangé des terrains municipaux au profit d'une association musulmane pour agrandir la mosquée, mais le terrain qu'ils ont échangé était bien plus grand que celui précédemment utilisé par les musulmans, donc c'était un cadeau foncier, quoi. Voilà, donc les républicains sont fait condamner. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la direction des républicains, il n'y a jamais eu, et pourtant mon livre « Ces maires qui courtisent l'islamisme » il date de 2010 hein, pour sa première édition, il n'y a jamais eu de remontrance, de recadrage des élus locaux. Non, ils savent très bien que ça leur apporte des voix. Et ce système perdure complètement, quoi. Malgré les condamnations de maires républicains au tribunal administratif, il y en a eu plusieurs. Il y avait eu Jean-Claude Gaudin pour l'histoire de la Grande Mosquée de Marseille qui, heureusement, n'a pas vu le jour, mais le terrain devait être mis à disposition gratuitement. Le tribunal administratif avait condamné. Il y avait eu aussi Colmar avec le maire qui avait promis une mosquée, etc. Et des grandes villes, donc Amiens, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai cité, effectivement, je l'ai vu dans votre livre. Quelle couleur est la politique d'Amiens? Je crois que c'est républicain ou UDI, je crois. Oui, c'est ça, voilà. C'est UDI, oui. Donc républicain, parce qu'ils sont associés. Brigitte Fourré, oui, c'est ça. C'est vraiment une grande mosquée, hein. C'est un projet gigantesque. Et en fait, il suffit d'aller sur leur page Facebook où ils diffusent des auteurs bien connus des frères musulmans, comme Mohamed Razali, qui est mort en 96 et qui avait, lui, approuvé la mise à mort de l'intellectuel égyptien Farag Foda, qui avait été assassiné en 92 en Égypte parce qu'il avait eu le tort de vouloir prendre la défense des Coptes et de vouloir une certaine laïcisation de l'islam. Et Mohamed Razali est égyptien, grand penseur des frères musulmans, dont les livres sont bien achalandés dans les mosquées de l'UIF, avait soutenu cette condamnation à mort, cet assassinat. Vous dites également qu'on trouve ces livres non seulement dans les stands spécialisés de certaines officines, mais tout simplement à la FNAC. On trouve ces livres, les livres que vous citez, on peut se les procurer à la FNAC. Alors, j'ai été quand même très étonné. Oui. Maintenant, moi, je ne m'étonne plus de rien. Ça fait très longtemps que je trouve des livres de charia à la FNAC. Dernièrement, j'ai trouvé un livre phare du fondateur du wahhabisme, Abdel Wahhab, où il y a des passages vraiment très clairs sur le djihad qui est obligatoire pour conquérir des territoires. Et je l'ai trouvé à la FNAC, la grande FNAC des Halles, en avril dernier, tout à fait. Et comme d'autres ouvrages vraiment qui sont très connus par les spécialistes, hein, La Voix du Djihad, pareil, que j'ai cité tout à l'heure, de Aboubakar Al-Jazairi, qui est un des savants, il est algérien, mais il est savant officiel en Arabie Saoudite, et c'est vraiment un best-seller, son livre qui dit que les musulmans doivent se doter d'armes défensives, mais aussi offensives, pour attaquer dès que c'est possible tous les territoires non musulmans, etc. Et ce livre est en vente à la FNAC. Alors,
avec Avocats sans frontières, on a fourni tout un dossier et maître Gilles William Goldanel avait effectué des démarches juridiques concernant ces problèmes. Voilà, donc oui, c'est en vente libre. Et en fait, ça montre, si vous voulez, la banalisation de l'islam dur, pur et dur, en France, à tel point que les livres demandés par les clients, parce qu'en fait, la FNAC s'adapte à la clientèle, hein, ce sont ces ouvrages qui sont demandés, qui sont achetés. Voilà. Bien, Alissa, vous avez quelques questions d'auditeurs ? Oui, une auditrice d'abord qui nous rappelle l'existence de la mosquée de Courbevoie, inaugurée récemment à 500 mètres de la Défense, comprenant également un centre culturel avec apprentissage de l'arabe pour les enfants. Et d'ailleurs, elle nous précise que le terrain aurait été loué 1 euro symbolique par la mairie. Républicain, pareil. La fausse droite. Tout à fait, j'ai interviewé les responsables de la Fédération du Front National de Courbevoie l'année dernière. C'est visionnable sur la chaîne de l'Observatoire de l'islamisation. L'auditrice a tout à fait raison. C'est encore un cadeau. En plus, je crois qu'ils ont des liens avec l'UOIF. Voilà, donc ouais, c'est vrai. Et ça se fait un peu partout en France. Ouais. Deuxième question, Alissa. Et puis on peut continuer à tailler la future veste de François Fillon pour cet hiver. Je vous propose une petite introduction alors, avant de parler de François Fillon. Mais effectivement, je pense que vous avez raison, on va en parler maintenant. Donc en tout cas, Joachim Elioka, je pense qu'on ne va pas parler d'Ali Juppé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est parti se mettre au vert à Bordeaux après un accident de primaire, je crois, assez grave. Mais par contre, on peut dire quelques mots sur François Farouk Fillon. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Alors François Fillon, en introduisant ce que vous allez nous dire, grâce à la question de l'auditeur, l'auditrice, allez-y. Oui, car un auditeur nous rappelle que François Fillon, en tant que Premier ministre, a également inauguré la mosquée d'Argenteuil. Tout à fait. François Fillon, le premier Premier ministre français, a inauguré une grande mosquée qui a des salles de classe où on enseigne l'arabe, la charia, et qui n'est pas une mosquée française, il faut encore le répéter, parce que François Fillon nous avait fait un grand discours sur l'émergence d'un islam de France, etc. Eh bien non, c'est une mosquée algérienne. L'imam qui est rémunéré par l'Algérie, est envoyé par l'Algérie directement. C'est une mosquée qui dépend de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Et donc, il n'y a rien de français. Et quand on sait comment l'Algérie applique l'islam, hein, ils ont la chasse aux non-jeûneurs, c'est-à-dire ces gens qui mangent pendant le ramadan, ils sont arrêtés en Algérie maintenant. Les missionnaires protestants sont arrêtés. Les évangélistes qui prient dans des salles sont expulsés, sont arrêtés en Algérie. Il y a des lois pour ça, hein, pour réprimer l'évêque d'Oran, parce qu'il y a quand même un évêque et quelques églises, mais il s'était plaint que les autorisations de visa pour des prêtres ne soient pas accordées par l'Algérie. Alors, l'Algérie, chaque année, envoie 75 imams en France pour assister les fidèles, leur diaspora dans les mosquées, mais nous, on n'a pas le droit d'envoyer des prêtres là-bas. Et donc, François Fillon avait fait en plus un éloge de l'islam en vantant les pseudo-grands philosophes, très grands philosophes musulmans, mais dans son discours qu'on peut visionner encore sur YouTube. Et d'ailleurs, cette mosquée d'Argenteuil, La Croix, c'est rare, mais ils avaient fait un bon article sur cette mosquée Ali Shan. Ils s'étaient déplacés, ils s'étaient entretenus avec les responsables et on avait vu le matériel pédagogique qu'emploie cette mosquée d'Argenteuil pour ses petits élèves qui viennent apprendre l'islam. Il y a toute une collection de livres pour enfants qui s'appelle Arc-en-Ciel. Donc je me suis procuré ces ouvrages et dans ces ouvrages, il est recommandé vraiment. En fait, on prend l'exemple pareil de la tradition et du temps du prophète où on interdit vraiment d'avoir des images chez soi. On interdit les statues, etc. Et on dit bien qu'il faut que chaque musulman doit promouvoir le bien, mais interdire le mal. Évidemment, selon une sourate coranique. Et il y a aussi des imams qui prêchent dans cette mosquée, dont un est de tendance, on va dire, très traditionnaliste. Il interdit aux musulmans de se marier avec
des non-musulmans. Donc, on comprend mal comment il va pouvoir émerger un islam français avec des musulmans français s'ils ont déjà même pas le droit de se marier avec le peuple de France. J'avais quelques citations, il faut que je retrouve la page. Je vais citer une phrase qui est tout à fait extraordinaire. Un islam propre à la France, dit cet imam, peut-être que vous avez son nom en tête, cela nous choque, l'islam est universel, ce qui tombe sous le bon sens, c'est un bon sens absolu. Donc en effet, cet islam propre à la France est une provocation pour tout bon musulman. Qu'est-ce que vous pensez, Joachim Veliuca, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, avez-vous un avis sur la récente polémique concernant la photographie de François Fillon avec un imam anti-chrétien? Est-ce que vous pensez qu'on peut accorder du crédit à cette affaire? Il se trouve que François Fillon a rencontré, donc c'était en 2010, je crois. Attendez, je reprends l'article. C'est beaucoup plus récent que ça. C'est en 2014. François Fillon a rencontré le recteur. Ce n'est pas l'imam, mais celui qui a la responsabilité de la mosquée de Stein, qui a été fermée pas plus tard que la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur. Il l'a rencontré longuement. Et il y a même une vidéo où on voit François Fillon échanger avec lui et on le voit poser en photo. Alors, qui est cette personne ? Cette personne est un Égyptien qui soutenait, alors faut bien clarifier les choses, lui son nom, donc c'est la mosquée Raouda, je reprends les infos, hein, allez-y, oui. À Stein, et en fait lui il était pro-Moubarak, ensuite il y a eu la révolution islamiste en Égypte, et lui en fait c'était le représentant des musulmans égyptiens officiels en France, à la tête d'une association des musulmans égyptiens. Et il avait même choqué un journaliste d'une chaîne égyptienne, Al Ayat, en 2014, parce que il était en train de commenter la révolution égyptienne, en fait la deuxième, qui a renversé les frères musulmans, parce que lui, il est anti-frères musulmans. Et par contre, il a dit « Nous sommes très heureux de ce changement, etc. » Et en fait, à un moment, il dit « J'ai toujours dit qu'il est inconcevable qu'un ministre, un chrétien, ne peut être affecté au trésor. » C'est-à-dire, il veut surtout pas qu'un chrétien ait des fonctions politiques en Égypte. Et il rajoute, ce portefeuille doit être détenu par un musulman. Et la journaliste de la chaîne égyptienne l'avait coupé. Donc il s'appelle Salif Haroud. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Et sa mosquée vient d'être fermée par le ministère de l'Intérieur. Et pourquoi ? Parce que selon l'Intérieur, donc ça a été, c'est le tribunal administratif qui a jugé ça. Ils ont fermé administrativement la mosquée. Et ce qui lui est reproché, donc là je reprends BFM, hein, c'était le 7 décembre dernier, ils ont fait un article, et en fait il est reproché à cette mosquée de Stein d'avoir laissé la parole à un imam qui tenait ouvertement des prêches radicaux, ou encore de compter parmi ses anciens fidèles de très nombreux individus djihadistes. Les autorités reprochent également au président de l'association, donc la personne qui a rencontré François Fillon, de n'avoir jamais désavoué publiquement l'imam et d'avoir deux fils combattants, djihadistes, recherchés pour... Donc en tout cas, la photo n'est pas un faux. Non, non, pas du tout. Contrairement à ce qu'a dit l'équipe de campagne. Non, non, mais ça, si vous voulez, François Fillon, comme d'autres responsables politiques, rencontrent un maximum de représentants musulmans pour... les rassurer, leur dire vous inquiétez pas, quand on va revenir au pouvoir, vous pourrez toujours construire des mosquées et maintenir des bonnes relations. Alors évidemment François Fillon, il sait bien que en plus la primaire de la droite se jouait par un électorat assez âgé, un électorat qui est très conservateur, donc il a appuyé à fond sur la question du spectre de l'islamisme avec son ouvrage « Vaincre le totalitarisme islamiste ». Donc double langage. Là, je pense qu'il a péché par naïveté, mais quand même, il faut quand même prendre des précautions avant de rencontrer de tels personnages. Et ça montre qu'il n'est pas fiable du tout. Et d'ailleurs, quand il était Premier ministre, il n'a jamais rien fait contre les frères musulmans, contre la diffusion des salafistes. Je rappelle que la progression des mosquées salafistes
entre 2010 et 2016 a été de plus 170%. C'est une note du service central du renseignement territorial qui nous l'apprend. Et que sous Fillon, le nombre de mosquées salafistes a bondi également. Donc moi, je porte vraiment aucune confiance à François Fillon, qui de toute façon est dépendant d'un réseau d'élus en France, qui est dépendant de députés. D'ailleurs, j'ai analysé tout son comité de soutien et les députés maires qui, eux-mêmes, dans leur ville, ont donné des facilités pour des mosquées. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur l'Observatoire de l'islamisation. Il n'y a vraiment aucun signe d'un fléchissement chez les députés maires UMP, républicains maintenant, concernant cette complaisance avec les islamistes. Joachim Velioca, un dernier mot. Que pensez-vous de la toute récente fondation de l'islam de France ? Est-ce que ça vous inspire un commentaire ? Alors, ça existait déjà un peu. Il y avait C'était pas le même nom. Est-ce que vraiment c'est une structure avant, c'était Villepin qui avait créé la fondation des œuvres pour l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette Rien de nouveau, sauf que structure. Là, ils vont vraiment le faire parce que c'était une cellule un peu dormante, quoi. C'est en dormance. Non, mais je veux dire, c'était une institution. Je me précise. C'était une fondation d'État qui n'était pas vraiment en activité. Et à la base, elle devait se faire le réceptacle en lien avec la Caisse des dépôts des dons étrangers pour construire des mosquées. Et elle devait garantir les emprunts bancaires contractés pour la construction de mosquées. Ça, c'était la fondation de Villepin. Villepin, Sarkozy, Fillon, bon, c'est un peu pareil. Et la nouvelle, donc c'est pareil, c'est pour accompagner les projets de mosquées. Ils vont pour que tout ça soit transparent. Et il y a Serge Dassault qui vient d'annoncer d'avoir mis un million d'euros pour démarrer. Mm-hmm. Et donc cette fondation va être aussi le réceptacle de dons, évidemment, qui vont venir de l'étranger, et pour construire des mosquées, etc. Parce que on nous dit, maintenant ça commence à dater un peu, cet argument, ça fait 20 ans qu'on nous ressort que le vrai problème, c'est si l'islam reste dans des caves, alors qu'il y a quand même 2600 lieux de culte à ciel ouvert en France, et que le problème, et se trouve aussi, je le démontre dans mon livre « Mosquée radicale », vraiment dans les grandes mosquées également, parce que l'islam est l'islam, l'islam orthodoxe, sunnite, a les mêmes fondements. Il n'y a que quatre écoles juridiques dans le sunnisme qui sont assez cousines et dont les différences portent simplement sur des petits détails d'analyse juridique, mais qui ne portent pas sur l'essentiel. C'est vraiment, il y a un tronc commun du sunnisme qui est incompatible avec le code civil français, pour faire simple. Joachim Velioca, je vous remercie de cette analyse de votre présentation de votre livre, dont je rappelle le titre, Les mosquées radicales. Éditeur Dominique Martin Morin. On peut trouver sur Amazon et à la FNAC, procure. J'imagine, à la FNAC aussi. Il n'est pas très bien achalandé à la FNAC, mais on le trouve aussi à la procure ou vous allez sur Place des Libraires, vous regardez, mais sinon achetez en ligne aussi sur le site de l'éditeur Dominique Martin Morin, éditeur. Merci. Parfait. Merci Joachim.